Conti, août 2011. Le public avait rendez-vous avec l'élite mondiale de l'attelage pour sacrer de nouveaux champions. Retour en images sur une semaine exceptionnelle. Au-delà des victoires sportives, le championnat du monde 2011 de Conti est une victoire humaine. La victoire d'une organisation de niveau international, fruit de l'implication totale, des efforts incessants et de l'investissement personnel de chacun, au profit d'un objectif commun, faire de ce championnat du monde un moment privilégié autour du cheval avec les meneurs et leurs équipes. Place désormais à la compétition. Les deux premières journées sont consacrées au dressage. Le samedi, pour le public, est la grande journée spectaculaire. Dès le matin, la foule se presse aux entrées, nombreuses, malgré une météo toujours très capricieuse. Pendant ce temps, les premiers concurrents prennent le départ du routier, dans le centre de Conti. Côté organisation, ce sont les derniers préparatifs pour vivre cette grande journée non-stop. À l'issue du dressage et du marathon, les meilleurs équipages se tiennent en quelques points. Le podium va donc se jouer lors de la maniabilité. Chacun retient son souffle. Le suspense va durer jusqu'à la dernière minute. On ne pouvait rêver meilleure finale pour ce grand spectacle.
Sur le plan sportif, c'est un carton plein pour le Val-de-Sel. Je pense que c'est bien pour le club, pour les adultes ici, pour les palefreniers soigneurs, pour la renommée de notre maison. Mais c'est aussi pour les jeunes qui les regardent. Ces meneurs leur ont donné la notion d'une proximité à atteindre. Et ça, c'est tant mieux. Les compétiteurs, j'imagine et j'espère qu'ils vont repartir heureux chez eux, dans leur pays. Et je pense que vu le public nombreux qui nous a accompagnés, bon, c'est quand même pour nous une belle réussite, quelque chose qui s'est très bien passé et qui, voilà, qui doit nous accompagner encore quelques temps, au moins dans l'esprit.